Donc ça va. En voilà d'autres. Parfait. Il y a ce truc là. Ok, on n'a pas encore les pouvoirs pour ça. Comment on va là par contre? Alors. Peut-être un mécanisme, parce que je vois aucun moyen d'y aller, donc mécanisme. Je parie sur mécanisme. Bonjour. Viens m'affronter, dieu du tonnerre! Les dieux n'ont que faire de tes appels, esprit. Ils ne t'écoutent pas. Ne raille pas mon désir de vengeance. Ma famille avait peut-être consacré sa vie à vénérer Thor. Mais j'ai consacré la mienne à sa chute. Et j'entends commencer par cette statue qui surplombe la tombe de mon père. J'en doute. Tu es mort. Est-ce qu'on peut vous aider? Moyennant récompense, bien sûr. Si vous abattez la statue, je vous autorise à piller la tombe de mon père. Il repose sur une île, à l'est. Détruire la statue. Vous détestez autant tort. Quand mon père est mort, ma mère a érigé cette statue pour veiller sur sa tombe. Imaginez notre surprise quand le dieu du tonnerre en personne est venu offrir ses condoléances. Au début, nous étions ravis. Mais rapidement, il a abusé de notre hospitalité. Ma mère l'a supplié de partir. Et Thor l'a tué dans un accès d'ivresse et de colère. Je suis resté seul avec mon chagrin. Et puis ma peine a disparu. Pour laisser place à la haine. Oh, je suis désolé. Viens, mon garçon, nous avons une statue à détruire. Là, il dit pas non, Kratos, bizarrement. Il dit pas non pour détruire la statue de Thor. Ah merde, ça va se fermer, non? Non, ça va. Ça aussi, on peut pas. Ok, ouais. Va falloir qu'on revienne là. La tombe de mon père se trouve sur une île, à l'est. Ne confondez pas la statue de Thor qu'a érigée ma mère avec cette horreur, au sud. Jolie. Quoi? Mais de quelle statue il parle du coup? C'est pas celle-là? C'est pas la statue géante là-bas? J'en sais rien, on verra ça. On verra. Cet esprit. Celui dont la mère a été tuée par Thor, qu'est-ce qu'il a? Que son histoire te serve de leçon. La vie des hommes n'a aucune valeur pour les dieux. Je sais, père. Tu sais. Mais est-ce que tu écoutes? Oui. Bien. Veilgrad. Tu me racontes une autre histoire? Une seule. Je connais l'histoire d'un bûcheron. Il demanda aux arbres de la forêt une branche afin de faire un manche pour sa hache. À la place, les arbres lui donnèrent un jeune sapin, afin de garder leurs membres. Le bûcheron fabriqua sa hache, puis il revint et abattit les arbres les plus anciens de la forêt. Le fait d'être vieux ne veut pas dire qu'on est sage. Ah, c'est ça la morale. Atreus, par ici.
Vaedogard. Avant-poste sud du roi nain. Un nain? Roi? T'as déjà entendu parler du roi nain? Non. Ah. Le roi nain. Ah. Ceux qui ont péri dans la quête du gloire du roi nain. Ah non, c'est ok, c'est peut-être pas la... C'est peut-être pas la grotte en fait. Eh hey Brock, t'as déjà entendu parler d'un roi nain? Je suppose que tu parles de Motsognir. Cette crapule régnait sur les hommes qui peuplaient la région avant. Il s'est construit un château au nord d'ici. Un château de nains? Il ressemble à quoi? Et pourquoi t'irais pas voir par toi-même, hein? Mais je vous conseille de faire le plein avant d'y aller. Ce vieux fou de Motsognir était réputé pour collectionner toutes sortes de bestioles sanguinaires. Et je ne sais pas qui s'en occupe de nos jours. C'est tout? Ok. Eh, je suis ouvert. Écaille, on en a pas... Oh putain, ça fait cher son brocard quoi. Une envie particulière? La hache, on peut pas... Talisman, on peut pas... Je comprends. C'était juste pour mes beaux yeux. Non, peut-être que... Qu'est-ce que je peux faire pour toi, petit? Réduis le temps de recharge. Allez, à la nuit. Ouais. Allez, je serai là s'il y a besoin d'autre chose. Parce que ça aide quand même. Alors. Il y a tellement de choses à faire. Je vais oublier en fait. Je vais oublier les habilités. C'est chiant. Salut de mots des Simpsons. C'est possible, parce que c'est vrai que cette voix me dit quelque chose en fait à chaque fois. Mais même la voix de Kratos en français, elle me dit quelque chose. Ils ont dû prendre des acteurs connus quand même. Lors d'un sprint, effectue une attaque sautée. Sur un rat pour avoir bloqué une attaque. Pas mal, pas mal, pas mal ça. Oh la distance quoi. Oh. Ok, il faut ça. Lors d'un sprint à main nue. Enrage L1 pour effectuer un piétinement rapide, blessant intérieurement les ennemis à proximité. Continue à appuyer sur R1 pour prolonger les coups après frappe ardente. Ah ok, ça c'est pas mal. Le bon spam de R1, moi ça me plaît. Moi ça me plaît ça, c'est bien. Bon, on est parti sur une autre mission. On est parti sur la découverte du château. Du roi nain. Enfin, de l'ancien roi nain, en tout cas. Il est mort, maintenant. Attention ! Oh, la vache ! Ok. Non, ça va pas. Là on est mort là. Il est canigo là. 1, 2, 3.
le fameux coup. Tu bois l'estus et tu vois la mort arriver. Ah, c'est bon ça. Ah, super. Dans ton dos. Père, t'es blessé, mais je vais rien foutre. Ça plutôt, c'est énorme le lancer de hache comme ça rapide. Oh, j'adore. Oh, je suis en plein. C'est énorme. C'est énorme. Oh la vache. Ah, c'est terrible ce truc. C'est quoi artefact? C'est là, c'est pour les choses qu'on met sur les pierres. Les pierres qu'on met sur les armures. Enchantement, c'est ça les artefacts. Ou alors c'est ça. Après non, ça c'est les pierres runiques. Et après il y a le pommeau. Ça augmente les stats, ça augmente la vie, HP, enfin, vitalité, chance, etc. Enfin, pour l'instant, j'ai de la merde, j'ai que de la merde. C'est genre vitalité 3, un truc comme ça. Ok, on va peut-être pouvoir monter de... Monter quelque chose, là, avec les objets qu'on a. Est-ce qu'on... Il y a autre chose. Je vais retourner voir le nain. Je suis sûr qu'on peut augmenter quelque chose. Hey Brock, t'as déjà entendu parler d'un roi nain ? Ouais bah... Je suppose que tu parles de ah, c'est bien, on peut lui parler et mais on n'est pas bloqué dans le dans la conversation. Il s'est construit un château au nord d'ici. Pomme de un château ah, de nain. Pas... Il ressemble à quoi? Et pourquoi t'irais pas voir par toi-même, hein? Mais je vous conseille de faire le plein avant d'y aller. Ce vieux fou de Motsognir était réputé pour collectionner 45 000... toutes sortes de bestioles sanguinaires. Et je ne sais pas qui s'en occupe de nos jours. Je serais pas contre de la défense en plus, mais on perd énormément d'attaque et la chance aussi. Genre la chance, c'est horrible quoi. J'ai vraiment pas envie de changer d'armure. Oui, mon garçon. Besoin d'autre chose ? Non, t'as que de la merde. Merci. Frédéric Souterel, il a aussi doublé Roban Aldin dans FF15. 14 Aldin, non, c'est FF15, non? Plein d'autres trucs. Ah, donc c'est bien une voix connue, Kratos, ok. FF14. 14, c'est le multijoueur, c'est le online. C'est où, c'est là? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Suis les indices. D'accord. Suis les indices. Les traces de feu, elles sont toutes regroupées. Donc, ils se cachaient peut-être pour échapper à un cracheur de feu. Bien. Ils sont morts quand même.
Oh putain! Ça c'est un truc qui me fait chier sur les consoles, je sais pas pourquoi, mais n'importe quel jeu, quand tu dois faire L3 et R3, c'est toujours la merde. L3 et R3, c'est en même temps, c'est la rage spartiate. Et ça, c'est toujours la merde. Putain. Mais bon, y a pas besoin de reprendre. Oh. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Frustrant. Suis les indices. D'accord. Bon. Les traces de feu, elles sont toutes regroupées. Donc ils se cachaient peut-être pour échapper à un cracheur de feu. Mais ils sont morts quand même. Connard à gauche. Côté droit. Non. Okay, ils sont trop vénères là. Oh non. Je récupère rien quoi. Non, j'ai débloqué. J'ai baissé le bouclier au mauvais moment. Allez, on s'énerve. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Suis les indices. D'accord. Bon. Les traces de feu, elles sont toutes regroupées. Donc ils se cachaient peut-être pour échapper à un cracheur de feu. Mais ils sont morts quand même. À droite! Je sais pas, ta droite et ta gauche. Lui par contre. Putain. Rapide. Vas-y, occupe-le. Qu'est-ce que c'est? C'est kiffant de faire ça. Atreus, par ici. Les louches façon meute, hein, c'est dans sa cœur proie. Père doit faire en sorte de maintenir face à lui, me satire. D'accord. Le roi, non? Léo des hommes. C'était pas un très bon roi, apparemment. Je me demande pourquoi il le détestait autant. Ils sont morts, de toute façon. Quelle importance? Aucune. Je suis seulement curieux. La curiosité peut être dangereuse. Reste concentré. Trouver dans ressources. Pierre de résurrection simple. D'accord. Chasseur de mort. Génial. Bah moi j'ai pas. Chasseur de mort. C'est rien que des mouettes. On reste calme. C'est rien que des mouettes. Ressources.
J'ai pas l'emplacement. Acier, caille. C'est quelle couleur? Non. Non, ça doit pas exister en God of War. Ah, bateau. Voilà, par contre, on va dans une grande zone. J'ai un peu peur. Enfin, pas peur. Comment a-t-il fait pour construire des statues aussi gigantesques? Les nains sont des créatures pleines de ressources. Pénibles, mais pleines de ressources. Il devait être très important parmi les nains. Ah, on est sur une autre partie. On pourrait amarrer le bateau ici. Quoi y a? Allez, on va voir. T'as une autre histoire? Cool. Une seule. Il était un scorpion qui souhaitait passer de l'autre côté d'une rivière. Si tu continues à m'interrompre, j'arrête l'histoire. D'accord, pardon. Le scorpion demanda l'aide d'une grenouille. Il dit à la grenouille que si elle le laissait traverser la rivière sur son dos, il la récompenserait. La grenouille protesta, craignant que le scorpion la pique. Le scorpion promit à la grenouille qu'il ne la piquerait pas, sans quoi ils se noieraient tous les deux. La grenouille accepta, mais au milieu de la traversée, le scorpion la piqua. Mortellement blessé, la grenouille coula, et ils périrent tous les deux au fond de la rivière. C'est triste. Pourquoi le scorpion a fait ça? C'était un scorpion. C'était dans sa nature de nuire. Oh. C'est exactement ce que mère disait à propos des dieux. Ta mère était pleine de sagesse. C'est celle-là qu'il faut détruire, je crois. Assez d'histoire. Bon, voyons voir. Elle doit forcément avoir un point faible. C'est cette, cette statue qu'il faut détruire. Par contre, toi, l'oiseau, le corbeau. Oh, yes! Ça y est, comment il s'imaginait pouvoir faire ça tout seul? Ok. D'abord, on va peut-être s'occuper de cette merde-là, là. Oh, il est niveau 5. Ok. Laisse-moi le temps. Non, il y a l'autre qui arrive. Oh non, non, il est pas mort. Il one shot, ok. Bon, on peut le tuer par contre, on peut le tuer, ça va. Il est seul pendant un long moment. Et j'ai ma rage, mais putain. Ça commence à être un peu violent en fait, les niveaux. Non, merde, merde, moi. Okay. Lui aussi, c'est rouge. Par contre, il a 3 crans de vie. Ça fait un peu peur. Maintenant, c'est bon. Oh non, j'ai voulu contrer, ça a pas marché. Il m'a one shot, hein. Ma vie elle était pleine, hein. Elle était au max, hein. C'est chaud. J'utilise pas assez l'attaque à main nue en fait. C'est avec la main nue je peux les stun et les
tuer, les one-shot en fait. Enfin, les finir. Normalement. Non. Putain, merde. Sur L3 et R3. Je sais, c'est ce que j'ai fait. Un peu de loin, voir ce qui se passe. Okay, va sur le gosse, va sur le gosse. T'aime pas les enfants. C'est bien. Ça va, on peut faire le tour du bas. Oh la vache. Tout ça pour de l'argent, quoi. Ah, c'est là. Je pense qu'il faudrait d'abord détruire la statue parce que peut-être que l'esprit il va pas être content. Et après il va nous attaquer, un truc comme ça. Donc on va d'abord faire ça. Facilement, Atreus. Je sais. Je plaisantais. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Désolé. Est-ce qu'on peut prendre la récompense directe ou pas? Ou alors faut aller retourner parler au... Rejoindre le disciple de Thor. Donc nous avons détruit la statue, nous devrions retourner voir l'esprit et lui annoncer. Je dois aussi rappeler à Père que nous pouvons piller la tombe. Ah, ok. On peut le faire. La tombe de son père, quelque chose d'intéressant? Peut-être. Poignée. Faible chance d'asséner
un éclair explosif infligeant des dégâts électriques aux ennemis à proximité. À chaque coup de hache. Oh. Ah mais on perd en défense quoi, c'est chaud. Quoique, à la limite, je suis en train de me dire... On se fait plus ou moins one-shot tout le temps. Enfin, on va dire beaucoup de fois. Donc, défense et vie. Pourquoi est-ce que les dieux nous causent autant de malheur? Parce que c'est dans leur nature. Mais, avec tous ces pouvoirs, certains d'entre eux pourraient essayer de rendre la vie des gens meilleure. Et pourtant, ils continuent à infliger la souffrance. C'est la vie, mon garçon. Atreus, sais-tu encore quels sont les côtés bâbord et tribord? Oui, je crois. T'entends ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde! Il y en a un peu trop, non? Oh merde. Il voulait plus passer. J'étais bloqué en fait. Il pouvait pas se tourner sur la gauche, la droite. Genre il a pas de vision latérale, Kratos. Il voit droit devant lui. T'entends ça? Quoi derrière moi? Ah, y a l'autre qui s'est activé en barrière protectrice. Bloqué.
prends la fâche. Il était un peu trop proche lui. En plus ce qui est chiant c'est que quand ils sont buffés, ils peuvent plus être mis à terre. Enfin c'est très dur de les mettre à terre. Vas-y, finis le gamin. Ok, fait. On est bon. On va faire le tour de l'île. Un petit. Qu'est-ce qu'il... Oh, j'ai cru qu'on m'avait touché. Il est trop loin ce con. Je suis prête, quoi ? Ouais mais attends j'essaye de délock pour voir bordel de merde. Allez tire lui dessus gamin. Yes, yes, yes. Ah, non. Là je les fais pas au corps à corps mais laisse tomber. Il me touche, il me tue en fait. Pourquoi il y a du rouge à gauche? Okay. Oh la vache, avance. Ah bah moi aussi. Ouais non c'est vrai que c'est vrai que le champ de vision ouais, ça aiderait vachement. Putain. Merci beaucoup. On va garder ça. 1 sur 6. On va aller là. Normalement, c'est juste une seule bestiole. Donc, ça là, on peut la faire. Merde. Putain, il monte de niveau super vite lui. Va pas trop loin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, gamin? Tout va bien. Go!
Atreus. Oui, père. Non. Tu disais quoi? Je sais pas ce qu'il a dit. Dis-moi, tu fais toujours les jeux dans le mode les plus durs. Ouais, si je peux, ouais. Si c'est possible, ouais. Même si c'est la première fois. Donc j'y joue toujours. Ouais. C'est un vrai dragon? J'en ai jamais vu de si près. Là-bas. C'est un vrai dragon, gamin. Compte pas sur moi pour aller le voir de plus près. Acier doux, fragment de calme, certes.